Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à CN Marinos Télévision dans le cadre du magazine Dossier où nous allons rencontrer un chirurgien, pour ne pas le nommer, le docteur Richard Etoquin. Docteur, bonjour. Bonjour Monsieur Niemek. Comment est-ce que vous allez? Très très bien. Et vous? Très bien docteur. Et aussi merci de nous avoir accueillis dans votre bureau. Oh, il n'y a pas de quoi. Là, vous me donnez l'opportunité de donner une information. Vous savez, des tests de qualité, je n'étais pas trop versé dans la publicité, mais je réalise de plus en plus qu'il faut en parler. Il faut que j'en sache que la chirurgie plastique au Cameroun est implantée depuis de nombreuses années. D'accord, docteur. Et quand vous dites depuis quelques années, vous pouvez vous faire allusion à combien? De nombreuses années, deux décennies au moins. Deux décennies. Il y a plus de 20 ans que je suis entré au Cameroun. Et que vous exercez en tant que chirurgien plastique. Oui, c'est une spécialité. J'ai été formé à Paris. Le diplôme de chirurgie plastique. Et je suis entré au Cameroun en 1995. Donc, ça fait 27 ans que je pratique. Wow. Ça, c'est. Moi, à mon humble avis, j'aurais peut-être cru que c'est une spécialité qui date de maximum une décennie dans notre pays. Dans tous les cas, c'est une bonne chose, docteur. Alors, on va commencer notre entretien par la première question.